Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de Monstres. On commence dans un endroit un peu particulier. Nous sommes dans le laboratoire de Maccabé. Voilà, qui a une très belle chaise d'ailleurs. Alors, Maccabé, comment ça va? Bonjour. Ça va. Depuis la dernière fois alors? C'était très dur. Ouais. J'ai été malade 4 jours. Ouais, parce que t'avais bouffé des conneries. Ouais, j'ai gerbé, j'ai chié pendant 3 nuits. Je suis encore mal au. Voilà, j'ai la nuit sans fleurs, donc. Désolé, c'est un peu le. Ouais, c'est le merdier sur ton laboratoire. Ouais, c'est rangé, mais approximatif. Ouais, tu te retrouves dans ton merdier, je pense. Oui. Et du coup, tu disais que t'avais eu la chiasse, en fait, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que je suis sur un pneu. C'est trop mal. Donc, ah oui, à ce point-là, tu peux pas t'asseoir. Ah non, je peux pas expliquer comment c'est en dessous, mais voilà. Ah ouais, t'as vraiment fait une chiasse d'enfer. Voilà, censure. Là, en fait, on voit que t'es avec, moi, ce que j'ai identifié comme des chocs à pic, en fait, mais c'est pas vraiment un choc à pic pour toi, du coup. Ben, c'est une crotte de dahu. Une crotte de dahu, tu penses? Oui, j'ai des plans ça que j'ai été récupérer, j'ai analysé une par une, mais ouais. Ça se confirme bien que c'est ça. Et d'accord, parce que en fait, toi, tu pensais que c'était des crottes de lapin de Garenne, je crois. Je pensais au début, mais non, je me suis trompé. Et le truc jaune, alors, qu'on avait eu? C'est du sperme. Les boules jaunes, c'est du sperme? Ah, les boules. Non, bah, je sais pas du tout, c'est végétal et tout, mais ça vient pas de cette bête. D'accord, bah c'est ça en tout cas qui t'a filé une chiasse d'enfer. Oui, je pensais, mais voilà. Galère d'avoir le trou du cul en fleurs comme ça. Oui, merci. Ouais, ça vient bien de la préhistoire. Ah ouais? Oui. Ouais, justement. Donc, l'ADN et les molécules correspondent. C'est vrai? Ouais, oui. On voit justement tout ton matos là, t'as donc ton microscope qui te permet d'analyser tout ça. Et donc là, toi, t'en déduis donc officiellement que c'est bien un dahu. Hein. Bah, logiquement, c'est disparu, mais à première vue, non. Puisque nous, on a retrouvé quelques restes, quoi. Mais comment tu peux prouver que ça vient d'un dahu, un truc pareil, quoi? Bah justement, je continue d'analyser par rapport aux autres merdes que je trouve dans la nature où on se trouvait la dernière fois. Donc voilà. Ouais, d'accord, ok. Et là, c'est quoi tout ce bordel? Je vois que t'as pas mal de merdier. Non, Morgan, c'est pas un bordel. C'est du flacon, il y a de l'urine, du sperme, il y a un peu de tout dedans. Donc, je vois que tu prends. Ah ouais, bah ouais. Oui. Je vois que tu prends plein de notes. Tout ça, c'est quoi ces lunettes? C'est des lunettes infrarouges que j'utilise. Ah ouais? Oui. T'as des lunettes infrarouges? Oui. D'accord. Ah, c'est vachement bien ça, c'est dingue. J'ai un peu de tout, c'est à chaque fois que j'ai une enquête, je me déplace avec. Et en fait, tu passes du coup, parce que les gens te connaissent pas, hein, tu passes combien de temps du coup dans ton laboratoire? Quand je sors pas, une dizaine d'heures, 12 heures, 14 ouais. Heures, ça dépend. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure, donc tu vas devoir faire une pause. Oui. Et puis, on attaque, ok? On va ranger. Voilà, okay. Bon, je te laisse poser toutes tes merdes. Merci, Morgane. C'est parti. À plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, non pas la chauve-souris, mais de Chasseurs de Monstres avec le Maccabé qui vient de Belgique. Ça va? Bonsoir. Voilà. Bon, impeccable. Bon, alors aujourd'hui, on est parti à la chasse à une créature très particulière qui n'est pas très connue. En fait, elle est surtout connue un peu dans les parages. Hein. Et c'est donc, ça serait un dinosaure, une sorte de dinosaure, de créature préhistorique, d'après ce qu'on nous a raconté, qu'on appelle le testiculosaurus. Voilà, donc il y en a même qui l'appellent plus vulgairement le couillosaurus. Apparemment, cette créature est un peu spécifique puisque elle aurait des couilles énormes, d'où le nom testiculosaurus ou testiculosaure ou couillosaure, ça dépend, chacun dit comme il veut. Terme scientifique. C'est le terme scientifique, exactement, merci Maccabé. Voilà, donc il aurait des couilles énormes, des toutes petites jambes, des tout petits bras, une tête de con, difficile à cerner sa tête parce que ses couilles sont tellement énormes qu'en fait qu'on ne repère que ça. Certaines personnes dans les environs parle d'avoir trouvé des traces de couilles et même des poils par terre, des poils de couilles donc, hein, par terre. Et justement, on est là pour voir si cette légende, si ce qu'on raconte est vrai. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais après tout, déjà, je fais ce que je veux. Tout est possible. Hein, comment? Tout est possible. Tout est possible, tout à fait, tout est possible. Des fois, il peut y avoir des animaux avec des couilles énormes. Et c'est ce qu'on appelle la cryptozoologie. C'est ça, la cryptozoologie.
Donc vous avez vu, je suis habillé un peu différemment de d'habitude. Là, cette fois-ci, c'est une opération commando, parce que déjà, on ne sait pas ce que c'est cette créature. Et en plus, je voulais vraiment habiller plus chaudement, ainsi que Maccabée aussi. Donc là, il fait quand même moins 62 degrés. On est en plein mois de février. Donc voilà, le but, c'est pas de tomber malade non plus. On a quelques armes, quelques trucs à vous montrer au fur et à mesure de l'épisode là. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Chasseurs de Monstres avec la chasse au couillosaure. T'es prêt? Et c'est parti. Good. Bon, on est parti, on est vu, on est surplombé par la pleine lune juste derrière, donc j'espère qu'on va pas trouver tomber nez à nez avec un loup-garou, parce que on sait que partout où je vais, il y a des phénomènes un peu zarbi. On va essayer que de trouver ses traces. Ouais. On nous a dit qu'il y avait des traces de couilles partout, on va essayer d'en trouver. Ah ouais, de toute façon, normalement, des traces de couilles, on devrait forcément... les repérer assez facilement, parce que ça saurait. Comment? Ça saurait. Ouais, ça saurait en plus s'il y a des poils dedans. Là, c'est attends, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est pas des traces de couilles, ça c'est un... Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, je vais essayer de longer la petite forêt. Ouais, ouais. Pas que ça sent un peu fort. Non, non. Mais là, c'est pas... Ça prend un peu à la barre. C'est de... Tu peux par là? Ouais, on va aller par là. Bien, on va s'enfoncer un peu dans le bois. Puis on va essayer de l'appeler ou de chercher un terrier, un gros terrier. Du coup, il doit avoir, parce que s'il a des couilles énormes, le terrier doit être balèze, quoi. C'est peut-être même une grotte comme qui sert de terrier. T'as entendu quelque chose, non? J'ai entendu des frottements. T'as entendu des frottements? Oui. Ah mais la nuit, tous les chats sont gris, et en plus, il doit y avoir des animaux un peu partout, quoi. Faire attention aux bêtes à cornes, parce que si on en croise une, ça porte malheur. Ça serait, ça c'est... Ouais. Bah disons que tu la regardes une fois, tu cours, quoi. T'as vu, c'est quoi ça? Ce truc là... Putain, ça rend... On dirait une sorte d'appât, tu sais? Ah ouais, on dirait bien. T'as vu là? Là, c'est fait pour attraper des petits animaux. Il y a du braconnage. Donc ouais, on n'est pas tous un seul coup. Ouais, il doit y avoir un braconneur. Mais après, s'il y a des... Ça, on risquerait de se faire chasser. Hein. Là, je me vois pas courir et tout. Après, moi je te le dis tout de suite, Maccabée, si vraiment on nous attaque, chacun pour sa peau. Hein. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Hein. Hein, pas le choix, hein. Voilà, quoi. On fait deux équipes de 1, tu te barres. Exactement. Quoi, enfin, en fait. Faites ton côté, moi, dis-moi. Ah ouais, non mais c'est clair. Pas tout de suite, ça serait. Chacun pour soi, quoi. Après, tu vas bien être gentil, mais faut pas me prendre pour un con non plus, tu vois. Je vais faire faut pas exagérer. Cette odeur? Ouais, ça pue, ouais. C'est quoi cette odeur? Ça sent la couille. Hein? Oh, ça sent la couille. Ça sent la couille? Ah, ok. Et comment tu peux savoir quelle odeur ça a, des couilles? Je connais, j'ai déjà goûté, j'ai déjà disséqué, j'ai déjà, voilà, c'est... Ouais, remarque, force ça de tout goûter... J'ai oublié que t'étais homosexuel, du coup, ça aide. Bah, ça serait, hein. Ouais. Ah, c'est ça, cette odeur, alors, de couille? Putain, mais c'est un truc de ouf. Je savais pas que ça sentait comme ça. Ça sent très fort, ça sent un peu comme les tripes. Ouais, ah ouais, non mais là... C'est très bon les tripes, mais pas les couilles. Bon, maintenant je vais te faire tirer. Il y a des bruits, hein. Voilà.
T'entends? C'est quoi ce son là? Il y a des bruits hein. Partout. Voilà. Ils ont envie dans une bonne tête. Qu'est-ce que tu dis? Il y a anguille dans une botte de foie. Il y a anguille dans une botte de foie, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas en France. Ça existe peut-être sur ta planète, mais en France ça n'existe pas. Vas-y, viens. Allez, viens. J'ai regardé là, il n'y a rien. Allez, Maccabé. Maccabé, on y va? On va pas passer toute la nuit ici. Oh! Allez, viens! Allez, allez, viens! Allez, on y va! Allez! Allez, Sultan! Il m'a gueulé quoi? Bon, bon, ok. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'entends ou pas? Comment? C'est une grue. Oh, écoute, écoute. T'entends? Oui. On dirait une sorte de couliosaurus, ça, non? Attends, un son comme ça, c'est pas une poule. Eh, hey, tu m'entends pas quand je te parle ou quoi? Bah, ça serait. De quoi ça se saurait? Que je te parle, que tu me parles, enfin t'as compris ce que je voulais te dire. Parce que je suis en train de chercher, donc faut pas tout faire. Ça va être compliqué avec lui, ça va être compliqué. Allez, on y va. Parti. Là, t'as ramené une pince. Elle sert à quoi cette pince-là? Je ramasse les produits que je peux trouver au sol. Ouais. Et si éventuellement il y a une agression, je la retourne et c'est des lames. Et c'est une invention personnelle. Ah ouais, c'est toi qui l'as créé? Voilà. Ça m'aurait étonné que ça existe autre part. Alors, donc, là, vous voyez, on est. Ah, il y a des animaux partout. Derrière, on est suivi. Comment tu sais? T'as pas entendu? Ça s'est posé. Il est en train de tourner autour. Ça c'est pas possible. Il y en a même qui disent, tu sais, que quand il se met en... Quand il veut vraiment aller vite, à cause de ses petites jambes, tu vois, il peut pas beaucoup, il peut pas aller très vite, il se met en boule, un peu comme un critter, s'il se met à rouler sur ses couilles. C'est un truc de dingue. Je pense que ça fait juste qu'il travaille très près, et il s'envolerait. Ouais. Je vais bien savoir. J'ai essayé, ça marche pas. Putain, mais il y a des oiseaux partout. Vous commencez à nous casser les couilles, on est... Hein? Ils sont casse-couilles les oiseaux là. T'avais entendu quoi par là? Il y en a un qui a décollé. Tiens. Alors il s'était posé.
C'est bien posé, c'est un gros truc. Hein. C'est beaucoup plus gros qu'un hérisson. Ça, c'est sûr. Je vais tester quelque chose. Ah ah Là, on fait toutes sortes de bruits pour tenter de cerner un peu le hurlement, le son qu'il pourra avoir. Pas mal. Non, fais pas ça. Dis, fais, insulte-le pas, attends. Non, je t'ai dit non, l'appelle pas couille mal. Non, après on va dire après, je vais me faire attaquer par la licra, ils vont dire que t'es couillophobe et tout, laisse tomber quoi. Non. On peut pas tester les techniques. J'en ai rien à branler, putain, je te dis, fais pas ça. Tu l'appelles pas couille mal. Ça serait. Dan. Ouais. Je me prends de deux. T'as trouvé, t'entends, tu as senti quoi? Éclaire-moi un petit peu s'il te plaît. Il a dû se gratter les couilles dessus, ça pisse de sang, dis-donc. Où ça? Bah, regarde. Allez, on ne pardonne pas pour les couilles. Hein. Tu m'étonnes. Il s'est foutu les couilles sur des ronces. T'es sûr que c'est du sang, ça? Ah, il est frais, hein. Ouais, il est frais. Tu peux goûter, ça? Oh. C'est quoi, ça? C'est du sang de couille? C'est du sang de couille. Ah là, il vient juste d'être fait il y a peu de temps. Ça veut dire que le couillosaurus est passé par là, c'est ça? C'est ce que je dis tout à l'heure, le bruit que j'ai entendu derrière nous, c'est ça. Mais comment tu peux reconnaître un bruit de couillosaur et pas faire la... Pourquoi tu... Qu'est-ce que t'es... Hein? Pourquoi? C'est le bruit. J'ai entendu un bruit un peu bizarre. Je plaque. Derrière, je t'ai dit. Et il y avait un autre qui s'envolait. Ah, t'es gaffe. Tu peux prendre des feuilles, là, justement, pour les analyser dans ton laboratoire, avec ton microscope. Putain, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, non, mais t'en meurs pas, ouais, mais... Surtout, t'as du sang juste en dessous aussi. Hein. Oui. Ouais, vas-y, prends-en un maximum. T'as qu'à tout dans ta poche comme tu fais d'habitude. Et puis voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est encore un coup à te choper la chiasse aussi, à goûter des trucs comme ça, tu crois pas? J'ai l'habitude. Comment? J'ai l'habitude. T'as l'habitude, ouais. Ça fait pas chiasse. T'as l'habitude d'avoir la chiasse, pour toi, c'est normal? C'est souvent. Mais ça fait pas une maladie. Hein. Ah, t'es vachement méthodique en plus. Hein. On fait ça bien, on le fait pas. Ouais, c'est clair. Et fermer la queue dans la feuille une fois. Pourquoi tu dis une fois? J'ai pas dit une fois. La cabée, oh, t'as dit une fois. J'ai pas dit une fois, une soirée. Non, t'as dit une fois. Dis pas une fois, je t'ai dit. Tu dis pas une fois. Tu m'énerves. Hein. Tu dis tout ce que tu veux, mais pas une fois. Donc, on va où, là? Les Français rigolent pas beaucoup. Hein. Ah, mais Français, parce que Français n'est pas con. C'est ça, il rigole pas pour ça rien. Ça serait. Il est pas de gueule. Du coup, là, donc, vous avez vu, hein. Donc, on a... Apparemment, il y aura peut-être le couillosaurus qui s'est chopé... qui s'est fait des roubignoles sur les ronces. Et des traces derrière, tu vois. Ouais, ouais. S'enfoncer. Ah ouais, t'arrives à distinguer les... tout ça. Ça fait quand même une cuvette. Ouais. Il est passé. Un oiseau ne fait pas ça. Arrête de dire une fois, Machiavé, je vais te taper. Ça serait, j'ai pas dit.
C'est quoi, je vais tester un truc. Quelle heure il est là? Il est pas trop tard, je pense. Il est 22h30. Oui. 22h30, ça va. Bon, allez, on va rester encore une ou deux heures et puis après on se tire quoi. Ça fait déjà une bonne heure qu'on y est et j'ai envie de tester un truc en fait, tu vois. Ça te dit pas toi qu'on essaye, qu'on teste un truc? J'ai pas toujours essayé. Tu es genre un machin, tu vois, genre. Tu sais, le. Tu vois, le. Si je pouvais couper les couilles, ça serait pas mal non plus. Ouais, mais justement, ouais, c'est. Attends, tu sais quoi, tu te filmes la caméra et puis on va tester quelque chose, ok? Ça marche, à tout de suite. Alors là, j'ai pris une arme un peu particulière. D'habitude, j'ai toujours. Une arme d'enfer, hein, Maccabé aussi, on a des armes de ouf. Cette fois-ci, c'est une arme, enfin, on a deux armes. Déjà, on a une arme chacun, c'est notre bite hein, et notre couteau, comme on dit. Et, exactement. Et là, l'arme fatidique de cet épisode-là, c'est une raclette pour dégivrer les pare-brises. Voilà. Parce que je me suis dit que, en fait, bon, on va y aller, et puis on va voir ce qu'on peut trouver, ok? Ouais, c'est ça. Allez, là. Allons-y. S'il te plaît, Morgan. Évite, on l'a fait au dahu. Hein? Est-ce que tu fais? Kiki. On l'a fait pour le deuil. Kiki. Et alors, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de refaire Kiki, je peux le faire. C'était pas de prévenir. Prévenir de quoi? Je comprends pas. Bah, c'est pas le bon prix. Essaye de lui parler en anglais. En anglais? Bah, essaye. Je verrai bien. Hein. Est-ce qu'il y a un couillosaure dans le coin? T'as pas compris, Marganetto? S'il te plaît. C'est quoi? Parler en anglais. Parler en anglais, mais je sais pas parler en anglais. Ben, c'est pourtant la langue universelle. Ouais, si j'avais parlé l'anglais, elle aurait pu comprendre du coup, puisque c'est universel. T'as pas internet sur ton téléphone? Ben, j'ai pas le net sur mon téléphone. Ben, c'est vrai qu'encore en Belgique, vous êtes encore au Minitel, vous. Bon, allez, c'est tombé. Ben, c'est français, je jure. Et maintenant, tu veux faire quoi? Attends. J'ai une idée. Voilà, ça permet de marquer le terrain. Il doit être trop là. Il est très bien. De toute façon, tu le. C'est ça que j'ai la forêt comme ça, c'est pas possible. Ta gueule, arrête de parler de ça. C'est ta gueule, Maccabé, merci. C'est énervant. On est gentil. Oui, moi aussi je suis gentil, mais je ne détruis pas la forêt, je gratte pas le sol avec n'importe quoi. C'est comme ça me prend la tête, c'est merci. Oh, c'est. Oh là là. Ça ne sert à rien de s'énerver, tonton! Et je vais terminer l'épisode par te casser la gueule et c'est tout ce qui va se passer dans cet épisode-là, quoi. Le chasseur de monstres va s'appeler Maccabé se fait casser la gueule. C'est ce que tu veux? Je vais te taper. Ta gueule. Ta gueule, ouais, complètement d'ailleurs. Il n'y a jamais d'ailleurs. Donc ta gueule. Donc ta gueule, voilà. J'étais en train de m'énerver. Ah, t'as volé. J'ai prévenu, j'ai rien dit. C'est le pire épisode que je passe, hein. C'est le pire épisode.
Et toi, c'est mieux ça, c'est motif de licenciement à un moment donné. On va arrêter de travailler ensemble, hein, parce que scientifique ou pas, moi j'en ai rien à branler. Hein. Moi je suis ici pour chasser des monstres, ok? Moi le couillosaure, je le veux, mort ou vif, ok? C'est à cause de toi là, tu racontes que des conneries, on va passer pour des cons là. Là tu manques de respect, hein, hé? J'ai des tatouages partout moi, ok? Donc tu me respectes. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça c'est des tatouages. Tu vois, tu me respectes. Parce que faut pas oublier une chose, hein? Ça, faut pas l'oublier la chose. t'as pas trop compris ce que je veux dire, hein, tu vois. Donc m'oblige pas. Tu vois, m'oblige pas. Toujours ça. Si c'était un couteau, je t'aurais planté. Tu vois? Faut pas s'énerver, non? Non, non, je suis pas énervé, non. Je suis pas énervé. Un jour, tu vas me voir énervé, tu vois ce que c'est. Bah pourquoi? Pourquoi il est mort? Bah parce que chez Morgane. Hein? Après, on s'étonne qu'il y a des morts, des fois. Bah ouais, bah c'est normal. Attends, le mec, il est là et... Tu proposes un tournage, il vient, il fout la merde, il fait chier le monde. Et en plus, moi, j'ai des épisodes à tourner. Et après, vous vous étonnez que je tue. Bah ouais, forcément, je tue. Au bout d'un moment, j'en ai plein le cul, quoi. Je suis désolé, j'ai perdu mon arme. Je peux la ramasser. Voilà. Désolé. C'est promis. Kiki. Tu devrais marcher moins vite. J'ai du mal à tout, hein. Arrête de tripoter la forêt comme ça, hein. Tout. Ok. Faut que je ferai, hein, de toute façon. Ouais. Ça sert à quoi, ça? Tu sais? J'ai dit, ils mettent certains produits dedans. Ah, des produits? Ouais, au début. Pour attraper tout ce qui est vièvre, faisan. Ah ouais, ouais. Et tout ça. Putain, je suis vraiment con parce que moi au début je croyais que c'était un tam tam. Jingam ben, jingam ben, jingam down the bed. On n'est pas, pas à la chasse aux indigènes. Ouais, non, mais c'est pour ça que après j'ai réfléchi. C'est très bien, tu réfléchis, c'est très très bien. Merci. Dis-moi, Morgan, pourquoi tu grattes l'arbre? Donc voilà, là on a... donc ça c'est pas un tam-tam. Là on a de l'eau aussi, mais ça a pas l'air d'être vraiment de l'eau. Hein. Ça a l'air d'être un mélange de... En fait, on dirait un mélange de d'eau et de lait, en fait. Je sais pas, on peut appeler ça du bidouillet. C'est des mélanges qu'ils font pour appâter les animaux et les faire mourir. Ah, mais du coup, s'il y a des animaux qui viennent ici, il les tue avec ça. Oui, voilà. Donc déconseiller aux gens de toucher à ces genres de choses. D'accord. Mais ils vont tuer quoi à part, enfin, je veux dire, des lapins, des biches, des pigeons, je sais pas la forêt, je connais pas trop. De la ouais, mais il y a quoi ici? Il y a des ébus, il y a des faisans, t'as des hiboux, corbeaux. Ouais. Qu'est-ce que t'as encore? Ouais. Il y a des perdrix aussi. Ouais, il y a des fourmis, il y a toutes sortes de trucs. Mais ça, c'est Ouais, ça, c'est... remarque, c'est pas un oiseau, ça, non? Bah non, pas du tout. Des insectes. Ouais, c'est plus un insecte. Non, je dis ça, c'est parce que il y a aussi des sortes de fourmis volantes qui pourraient être considérées comme des oiseaux, quoi. Des petits oiseaux, enfin des tout petits oiseaux. Oh non, pas du tout. C'est pas des colibris, hein. Ouais, c'est pas de la même race, en fait. Ça vole, mais c'est pas pareil, quoi, en fait. Bon, non, il y en a un qui a des plumes et l'autre rien, hein. C'est de la carapace.
Ouais, bah, il doit peut-être exister aussi des oiseaux sans plumes et qui volent. Enfin, voilà quoi. Bah, si t'en trouves, tu m'appelles. Hein? Si t'en trouves, tu m'appelles. Ouais, ouais, bah de toute façon, on est en contact, je te tiens au jus quoi. Bon. Par contre, t'es pas en. Tu sens pas tout odeur de. J'allais te le dire. J'allais te le dire. C'est horrible. C'est la même odeur que tout à l'heure. Schlingue. C'est les couilles, c'est ça? Ça, les couilles, comme tout à l'heure. Ouais. Exactement. C'est horrible. Oui, bien. Là, tu dois pas être loin. Regarde hein. Autour, il y a des pierres rondes. Il y a un fruit. Il y a des. Non, c'est quoi ça? Tu sais quand tu fais bien un œuf? C'est un œuf. Attends, t'as vu la gueule? L'œuf, il est tout noir. Peut-être s'il y a des cassures, c'est ça donne. Ah, tu risques de péter tes dents. Hein. Putain, je vais même casser l'arbre à force de taper là. Force, oui. Putain, le truc il est super solide. C'est pas un œuf de poule ça. Il a pourri en fait l'œuf. Oh, pas obligatoirement. Mais c'est un œuf de quoi ça? Oh, c'est sûrement un œuf de cuillosaure. Parce que. Ouais, parce que le. Parce qu'il pond des œufs aussi, ouais. Tu te sens de goûter ça? Je vais toujours essayer, hein. Quand je goûte deux à peu près tout, ça en fera toujours un plus. Ouais, on va tester ça. Et si on arrive. Ce serait bien d'arriver à le casser. T'en manges la moitié, puis l'autre moitié, tu la gardes pour tes expériences avec ton microscope. On va essayer de faire ça. Je vais foutre dans ma poche. On va continuer un peu de marcher, puis on va faire ça en dehors de la forêt, ok? Ça serait mieux, oui, parce qu'ici, c'est pas. Ça mouche beaucoup. On est gentil! On est gentil! On est gentil. Je dis pas plus qu'ils vont encore m'engueuler. Donc ils sont gentils. On est gentil! Je sais jamais, s'il comprend ce qu'on dit, il saura qu'on est gentil. S'il comprend pas, il ressentira les ondes de la gentillesse. Donc ça vaut le coup d'essayer, tu vois ce que je veux dire? Si on. C'est bien vu, j'avais pas pensé. C'est quoi? Je vais te filer l'œuf, je vais te filmer en train de le goûter quoi. Et après on va faire 2-3 petites. Et ensuite ça permettra. Hein? Ça marche pas ceci. Ok. On est tenté. Vas-y, donne. Bon là j'ai repris la caméra. Donc ce qu'on va faire c'est que. On va aller se poser dans un endroit un peu plus tranquille. Et parce que ici, on se sent un peu oppressé, la milieu de la nature, comme ça on regagne le chemin en fait. Et comme ça, on va se rapprocher un peu de la bagnole. Et il va goûter son. Il va goûter son œuf. Et puis il va quoi. Allez, on y va. On est parti. Il est bourré quand il marche, Macabé. Vous avez vu, on dirait qu'il a l'air comme une âme en peine, il sait pas trop où aller, il sait pas ce qu'il fait. Je suis pas sûr qu'en fait qu'il sache, qu'il comprenne bien tout ce qu'il fait en fait. Je connais pas bien sa vie privée, je dois dire. Mais je sais pas comment. En fait, moi je l'ai connu sur internet et je sais pas vraiment d'où il sort en réalité quoi. Mais à mon avis,
son personnage doit cacher quelque chose d'assez sombre. Et ça va au niveau de ton ventre et tout, tu te sens un peu mieux? Un peu comme pour l'instant, oui. Ouais. Je suis repris de poil dans la bête. Ouais, ok. À chaque fois il m'arrive quelque chose, mais moi je suis habitué. Ouais, mais là justement c'est pour ça que je te demande, t'as pas peur? Oh non. Non? Non, c'était ce qu'il fallait avant de partir, donc c'est bon. Ouais, t'as pris quoi? Des médicaments, pas mal. J'ai fait tellement de boîtes à la maison, je les compte plus, donc... Ouais. Mais faut pas le faire chez vous. Ouais, bah ouais. Moi je suis un peu hors norme, on va dire. Ouais, c'était hors norme. Directement à la voiture et puis je fais tester ça. Je vais mettre pas une arme dans les fesses. Ah oui, il y a quelqu'un qui est tenu. Oh la vache. Là je voulais m'asseoir. Hein. C'est chaud. Ouais, mais assis-toi autre part, peut-être pas à cet endroit. Bon, déjà que t'es pas très doué, alors là... Ah, on essaye, hein. Ah, bah voilà. Ça y est, t'as réussi. Tu l'as foutu où, ton œuf? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, on peut pas. Tu sais, j'ai essayé de le péter contre l'arbre, t'as bien vu. C'est pas un œuf normal, ça, attends. C'est un truc de ouf. Ça pue, hein. Vas-y, goûte. Ça. C'est quoi Alors, quelle odeur, ça? Quel goût, pardon. J'ai confondu mon nez avec ma bouche. De quoi? J'ai confondu mon nez avec ma bouche. T'as confondu ton nez avec ta bouche? Ça va? Oh? T'as pas crevé, là? Oh, pas gardé. Ça m'en terre. Oh là là. Ouais, non, là, ouais. Allez, va, bah, je vais essayer de faire descendre ça. Ça va être dur, mais... Ah, putain, c'est délire. Oh. Qu'est-ce que tu fous? Oh, je vais te faire descendre. Ok. T'as avalé l'œuf? T'as gobé l'œuf? Oh. Eh, t'as gobé l'œuf? C'est rigolo, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant du tout, là. Et tu vas t'étouffer, mon gars. Ça va? Tu peux respirer? Ça y est. T'as gobé l'œuf? Désolé. T'as gobé l'œuf? Oui. T'as gobé l'œuf? Comment t'as fait? Tu peux pas gober un truc comme ça, c'est pas possible. J'ai confondu mon nez avec ma bouche. Je voulais sentir... Et en fait, t'as respiré. Je l'ai gobé. Est-ce que tu es conscient du niveau de conneries dont tu fais l'objet actuellement? Comment tu peux confondre ton nez avec ta bouche? C'est comme si tu me disais, au lieu de pisser, j'ai chié, quoi. On s'ira mieux plus tard, ça ressortira. Eh bien, tu vas te choper vraiment la mort. Tu vas... Là, j'espère que tes médicaments vont bien faire effet, mon gars. Vas-y, viens, on se casse, parce que... Là, tu vas finir le tour. Eh, ça va? Ouais. Putain. On a un poids sur l'estomac. Vas-y. Il est même pas à minuit, de toute façon. On est resté un peu plus de 2 heures ici. Ça va? Oh ouais. Allez, vas-y, viens, on y va. Ah, t'es mal en point, là. Ça va se terminer à l'hosto, encore.
Ah non, pas l'hôpital. Chez moi si tu veux, ou dans mon labo. Ouais, bah on va aller dans ton labo mais avant on va aller passer au labo à l'hôpital. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment on peut être aussi con? Allez. C'est peut-être familial, je sais pas. Ça va? Je commence à avoir mal au bide, moi. Et tu m'étonnes que tu aies mal au bide. Attends. Je vais me transformer en autruche. Ah ouais, là tu vas en chier, mon gars. Déjà que t'avais l'estomac en vrac, là. Tu pourras le retenir, celle-là. Quoi? Ah, on va en chier, tu m'étonnes. T'es sûr que t'as pas envie de vomir ou un truc comme ça, parce que tu vas... Ça ne ressortira pas d'où il est rentré. Puis tu vas pas dégueuler dans la voiture, hein. Hein? Oh non. Il te reste de l'huile de vidange? Non, j'ai pas de ça et je t'en donnerai pas, tu vas bien le protéger. C'est pour faire liquider. Ouais. Mais... Oh. Donc, on peut pas montrer ça, on risque de donner des idées. Oui, c'est vrai, non, mais en cachette, ça se répand. Bon. Ça va aller? Oh putain. Vas-y. Oh, je vois que je suis chier! Oh putain! Bon, on va le laisser tranquille. Allez, il est en train de se chier dessus là. Ouais, je préfère qu'il chie. Qu'il chie avant de rentrer dans la vague dans la voiture là, parce que sinon il va le saloper. Et il en peut plus là. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment la merde. C'est vraiment la grosse merde. Ça va, Maccabé? T'as répandu papier? Non, j'ai pas de papier ici. Tu torcheras le cul arrivé à la maison. Ça va? Attends, j'entends des bruits derrière moi là. Ça va? Ah, j'ai mal au cul. Ah, tu marches comme un cow-boy là. J'ai fait des chevals toute la journée, on dirait. C'est pas marrant. J'ai entendu des bruits chelous là-bas. On va voir. Oh, oui, voilà. Ça va aller? Bah oui, mais je courrai pas vite. Putain. Oh, tu pues la merde. Eh ben, j'ai te remonté, hein. Ah, j'ai pas de papier, j'ai pas. Avec des ronces. Ouais, oui. J'ai déjà mal au cul, alors c'est pas pour en rajouter. J'ai entendu un bruit chelou par là. Ah oui. C'est quoi ce truc? Bah, c'est bizarre. On a un truc plein jaune. Ouais. Bizarre. C'est direct. C'est quoi ce délire là? Viens, on y va. Viens, on y va. Oh, franchement, faut rentrer. Franchement, là, je sens. Regarde, il est plus là. Il est plus là. Il est rentré direct. Viens, viens, on y va. Franchement, j'ai mal au cul et pas de papier. Je te fais pas de dessin. Putain. Tu peux pas essayer de faire un effort là? Un effort. Je sais pas s'il y a la suite derrière alors. Oh. Franchement. Allez, viens, vas-y, viens, on y va, on va voir. Oh putain! Oh! Oh là 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 là! Bon, allez, vas-y, viens, on se casse. On se casse. Allez, viens. Vas-y, lève-toi. Allez. On se tire. Allez, viens, Maccabé, vas-y, on se tire. Allez, on se tire, on est à côté de la voiture, elle est là, la bagnole. Allez, on se casse. Vas-y, fais un effort. Allez, fais un effort. Voilà. Allez. Ça t'apprendra à bouffer les conneries en même temps. Allez, viens. Allez, viens, Maccabé, on se casse. Je suis désolé. On se casse, on rentre. Allez, viens. Allez, viens.
Allez. Toi, t'es chasse. Oh, putain, je suis venu en France, moi. Puis l'autre qui s'est barré. Oh. Allez, viens, on reviendra ici plus tard. Allez. Là, si ça se trouve, en fait, ce qu'on a filmé, c'est l'une de ses couilles. Oh. On verra. Déjà, si t'arrives à t'en sortir vivant avec cette... Est-ce que tu... Toutes tes conneries, là. Bah ouais, tu m'étonnes, mon gars. T'as bouffé un œuf de couilleuseur. Attends. Allez, viens. On se casse. Allez, viens. La voiture est à côté. J'arrive. Pas envie. Allez, cours. Il fait au moins... moins 80 maintenant. On est frigorifié. Et regardez-le. La cabine. Allez, viens, on se casse. Allez là, la bagnole. Je vous laisse sur ces images-là. Il a... ce con a avalé l'œuf. Ça, c'est un coup à ce que... à ce qu'il y passe, quoi. Je vous tiendrai au courant. Mais... c'est vraiment le roi des cons. Donc, il a réussi à confondre, sniffer et... Bon, bref. Allez, je vous laisse ici. Là, on rentre, j'espère que ça va aller quand même pour lui, parce que... J'ai mal au cul, j'ai mal à la gueule, j'ai mal au bide. Voilà, il a mal au cul, il a mal à la gueule, il a mal au bide, il a mal partout. Donc voilà, on peut pas empêcher les gens d'être cons, donc c'est comme ça. Voilà, on arrête tout, tant pis, on avait peut-être... On a eu un truc bizarre, un phénomène trop bizarre à la fin, où on voyait... Je crois qu'on a vu peut-être une paire de couilles. En tout cas, on reviendra voir si on n'a pas eu... On n'a pas dit notre dernier mot. Voilà. On a arrivé, regardez-le, il est sur la bagnole là, il en peut plus. Voilà, pensez à partager l'épisode. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me soutenir aussi sur Tipeee. J'en ai besoin pour la suite des aventures et de vous ramener toujours plus d'images complètement dingues. Ciao.